Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'aurai à cœur de vous partager une partie du témoignage personnel de l'évangéliste Oral Roberts, qui a été frappé par la tuberculose lorsqu'il avait seulement que 17 ans. Et pourquoi est-ce que j'aimerais partager ce témoignage avec vous? C'est parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent regarder les émissions Héros de la foi et qui pourraient penser ou même dire « Ben, vous savez, c'est facile de prêcher la guérison lorsque tu n'es toi-même pas malade et c'est facile de prêcher que Dieu veut que tu sois dans l'abondance à tous les niveaux et financière lorsque tu n'es toi-même pas pauvre. C'est facile de dire qu'on doit s'accrocher à Dieu au milieu des épreuves quand toi-même tu ne traverses pas aucune épreuve. » Mais la réalité, c'est que tous les hommes et les femmes qu'on peut regarder à l'émission Héros de la foi, et même en réalité tellement de personnes dans la parole de Dieu aussi, ils ont tous dû affronter tôt ou tard une montagne. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est à nos côtés. Et chacun d'eux ont su surmonter cette montagne lorsqu'elle est survenue dans leur vie. Et pour le frère Roberts, c'était la tuberculose lorsqu'il avait 17 ans. Et en fait, trois différents médecins l'avaient laissé là pour mourir. En fait, ils avaient dit « il n'y a plus rien à faire, il était en hémorragie interne, il ne faisait que tousser », et ça c'est lui-même qui l'a raconté, « il ne faisait que tousser, il crachait du sang, il était tellement faible en fait qu'il n'arrivait même plus à parler ». Et les médecins l'ont laissé là, et malgré que son papa était un prédicateur, il n'était pas dans la dimension de la guérison encore. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'ils ont entendu dire qu'il y avait un évangéliste qui venait dans leur ville, et qui avait un chapiteau et qui priait pour les gens qui étaient malades et qu'ils voyaient des résultats. Et puis la famille de Roberts, ils se sont mis ensemble, ont apporté le jeune homme de 17 ans à l'époque sous le chapiteau. Et le témoignage du frère Roberts lui-même, il a dit que lorsque l'évangéliste a imposé ses mains sur lui et lorsqu'il a maudit la condition et qu'il a chassé cet esprit de maladie, d'infirmité hors de mon corps, il dit « tout de suite, j'ai arrêté de tousser ». Il dit « l'hémorragie a cessé, j'ai arrêté de cracher du sang et mes forces sont revenues tranquillement, pas vite. » Et après quelques semaines seulement, il était complètement rétabli. Vous savez, Dieu veut le faire dans votre vie aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes-là ont vécu des difficultés. Et le message que nous allons entendre aujourd'hui, c'était le message qui a possiblement été le plus regardé de tous les messages de l'époque du réveil de guérison qu'il y a eu aux États-Unis. Et le message s'intitule « Le quatrième homme prêché par le frère Robert ». C'est un message qui est tellement encourageant, qui est « ouais » du Saint-Esprit. Vous allez être fortifiés dans ce que vous vivez et il prêche la parole de Dieu sans compromis. Donc, je vous invite à ouvrir votre cœur. Ouvrez-vous à ce que Dieu veut faire dans ce message et sachez que dans peu importe l'épreuve, peu importe comment est-ce que ça peut être chaud maintenant autour de vous, le feu semble être vraiment brûlant, sachez que Jésus-Christ est là à vos côtés si vous l'avez accepté dans votre vie. Donc, ouvrez votre cœur et on se revoit tout de suite après ce message. C'est pour moi un privilège et un plaisir de vous présenter l'homme à qui Dieu a donné un message pour votre délivrance, le révérend Oral Roberts. J'aimerais attirer votre attention au livre de Daniel, chapitre 3. Commençons à lire au verset 13. « Alors Nebuchadnezzar, irrité furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Si l'on sache, ô roi, que nous ne servirons pas, que nous ne servirons pas d'autres dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers,
N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Comme un diamant sur un coussin de velours, la ville de Jérusalem, située exactement au centre géographique de la terre, c'était la ville de Dieu, le grand roi. Beaucoup plus loin, au sud-est de Jérusalem, il y avait une autre ville, la plus grande et orgueilleuse des villes que les hommes aient construites. Babylone, fabuleuse, puissante Babylone. Le monde pense et parle encore de Babylone aujourd'hui. Ses murs faisaient 300 pieds de haut, et en haut, ils étaient si larges que 8 chars pouvaient y faire la course côte à côte. Et à l'intérieur des murs étaient les fameux un jardin suspendu que Nebuchadnezzar construisit pour son orgueil et sa vanité, une des merveilles du monde ancien. Nebuchadnezzar prit sa légion concurrente, sortit et parcourut toute la terre connue et conquit le monde, et emmena en captivité la fleur de la nation, et parmi eux les dieux du peuple. Quand Nebuchadnezzar, cet homme orgueilleux et vaniteux, vit sa conquête, et vit ses multiples dieux, et réalisa qu'aucun pouvoir sur terre n'avait été capable de se tenir devant son armée, il décida de se faire lui-même Dieu. Et il fit une image de lui-même d'or pur de 100 pieds de haut. Et l'érigea dans la plaine de Dura. Et il donna l'ordre qu'au son de la musique, toute personne sur terre devait se prosterner, tourner sa face vers l'image et dire, « Grand est Nebuchadnezzar notre Dieu, grand est Nebuchadnezzar notre Dieu. » Et un jour, il prit ses légions élites et marcha dans le désert miroitant de sable brûlant, assiégea la ville de Jérusalem, la ville de Dieu le grand roi, abattit les murs, écrasant le temple, détruisit la ville, rendit captif la fine fleur des nations, de beaux jeunes princes hébreux, des hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et il leur montra cette terrible fournaise de feu ardente. Il leur dit qu'il la chaufferait 7 fois plus qu'habituellement. Il a dit, tu te prosterneras ou tu brûleras. Et ces jeunes hommes, ces jeunes serviteurs du Dieu Très-Haut, ont dû faire face à une inévitable réalité de la vie. Votre religion va être éprouvée. Votre foi devra être testée. Et il y a un diable dans ce monde qui n'aime pas Dieu et n'aime pas le peuple de Dieu. Et il fut dit à ces jeunes hommes, « Vous vous prosternerez devant mon roi ou vous brûlerez dans ma fournaise. » La religion, la vraie religion, va être éprouvée. Vous n'irez pas au ciel comme sur un tapis de fleurs. Vous n'allez pas échapper à la colère du diable. Il y a des gens qui se lèveront contre vous. Ils vous persécuteront d'une manière inconcevable. Le diable te dira, si tu sers Dieu, je vais mentir sur toi. Je briserai ta réputation. Je te persécuterai. Je te pourchasserai. Si tu ne te soumets pas, tu brûleras dans ma fournaise. Le diable dira tous les mensonges possibles. Mais laissez-moi vous dire ce que les trois enfants hébreux ont dit. Quand ce vieux Nebuchadnezzar dit « Vous vous prosternerez devant mon Dieu ou vous brûlerez dans ma fournaise », ils ont dit « Nous pouvons brûler dans ta fournaise, mais nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu ». Mais savez-vous ce que Dieu a dit? Dieu a dit, si vous ne vous ne prosternez pas devant le Dieu de Nebuchadnezzar, moi je veillerai à ce que vous ne brûliez pas dans sa fournaise. Dieu recherche des personnes qui ont pris leur décision, qui vont remettre leur sort dans les mains de Dieu, qui vont recevoir du Saint-Esprit un salut profond, sincère, ancré et fondé sur le roc. Le genre de religion qui remonte le long de ta colonne vertébrale redresse ta vie tortueuse et fait quelqu'un de toi. C'est ce que Dieu recherche. Nous avons compromis cela. Et ceux qui ont fait ce compromis, ils brûlent. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils n'ont pas l'onction de l'Esprit. Ils n'ont pas la foi qu'il faut pour vaincre les fournaises ardentes de la vie. Non seulement avons-nous compromis le salut qui vient du cœur, nous avons aussi compromis l'onction de l'Esprit de Dieu.
Nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu à moins que nous soyons loin pour le faire. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. Vous lisez votre Bible, vous regardez l'histoire religieuse. David, Moïse, Élie, Samuel, Pierre et Paul et Jean, les hommes qui ont délivré leur génération, les hommes qui ont eu la puissance de Dieu, avaient l'onction de Dieu. L'Esprit est venu sur eux. Les gens disent, frère Robert, que voulez-vous dire par l'Esprit? Que voulez-vous dire en disant que nous devons être loin? Bien, mieux vaut le vivre que l'expliquer. Je sais que quand je ne suis pas sous l'onction, je n'ai pas la puissance de Dieu. Quand je ne prêche pas avec l'onction, ne prie pas avec l'onction, de grandes choses n'arrivent pas. Mais au moment où l'onction vient sur moi, les gens sont délivrés. Pourquoi? L'onction brise le joug. 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 Qu'est-ce qui brisera le joug du péché? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brisera le joug de la maladie? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brisera le joug des mauvaises habitudes? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui peut transformer la vie d'un homme ou d'une femme? L'onction de l'Esprit de Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Alors, le roi dit, vous vous prosternerez devant mon Dieu ou vous brûlerez dans ma fournaise. Les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit deux choses. Ils ont dit, « Nous brûlerons peut-être dans ta fournaise, mais nous n'adorons pas ton Dieu. Nous briserons peut-être nos os dans les flammes de ta fournaise, mais notre âme se tiendra toujours debout, bien droit. Tu peux nous humilier, nous mépriser, nous tourner en ridicule, ici en public, mais dans nos cœurs, nous serons toujours high-tech devant le Dieu Tout-Puissant. Tu peux nous jeter et nous enchaîner. Tu peux lier nos jambes jusqu'à ce que nos genoux touchent le sol. Mais dans notre esprit, nos yeux regarderont à la montagne d'où nous viendra le secours. » C'est la première chose qu'ils ont dite. La deuxième chose qu'ils ont dite, « Ô roi, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main. » C'est la déclaration de la foi. Ils ont dit, « Roi, le Dieu que nous servons est capable. » Oui, Dieu est capable, mais il est seulement capable pour les personnes qui le servent. Vous devez comprendre ça. Si vous ne servez pas Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, la capacité de Dieu n'est pas disponible pour vous. Ils ont dit, « Le Dieu que nous servons est capable. » Capable de quoi? De nous délivrer. Il est capable. Que notre faiblesse repose sur ses épaules, notre Dieu est capable. Que les anges le crient du haut des cieux, notre Dieu est capable. Que les prédicateurs le crient de leur plateforme, notre Dieu est capable. Que les païens imaginent des choses vaines, notre Dieu est capable. Laissons-les jeter Paul et Silas en prison à Philippe, notre Dieu est capable. Il secourra ce lieu par un tremblement de terre, brisera les liens des captifs et les rendra libres. Laissons-les jeter Daniel dans la fosse au lion pour ses prières et sa foi en Dieu. Notre Dieu est capable. Il a mis un cadenas sur la gueule des lions pour qu'aucun lion ne brise un os dans le corps de Daniel. Notre Dieu est capable. Il est capable de délivrer ces trois jeunes Hébreux et il l'a fait. Il est capable de nous délivrer et il le fera. Ne soyez pas effrayés, excepté d'une chose. Soyez effrayés du compromis. Soyez effrayés de compromettre vos convictions. Soyez effrayés de sacrifier les principes d'une vie intègre. Soyez effrayés d'enfreindre les lois de la Sainte Bible. Soyez effrayés d'être hors du chemin ou en déséquilibre devant le bon Dieu. Soyez effrayés du compromis, car si vous refusez de vous prosterner, Dieu dit que vous ne brûlerez pas. Si vous défendez ce qui est juste, Dieu vous délivrera. Car Dieu est capable et il vous délivrera si vous refusez de vous prosterner. Ces jeunes hommes se sont retrouvés dans le feu de nos fournaises ardentes. Et ce n'était pas nouveau. Depuis des temps immémoriaux, le peuple de Dieu a dû affronter les fournaises ardentes de la vie. Joseph a dû en affronter, il a été vendu par ses frères en esclavage. On l'a emmené en Égypte et emprisonné dans la maison d'un homme. Oui, il savait ce que c'était que d'être vivant dans le feu d'une fournaise ardente.
mais Dieu l'a délivré. Daniel a été mis dans une fournaise ardente. Parce qu'il priait Dieu 3 fois par jour, il a été jeté dans la fosse aux lions. Job, à cause de son intégrité envers Dieu, a été frappé par le diable, d'un ulcère malin, de terribles maladies depuis la tête jusqu'aux pieds. Vous savez, les fournaises ardentes peuvent prendre plusieurs aspects et plusieurs formes. Parfois, c'est la maladie, parfois la pauvreté, parfois la privation. Parfois, c'est la trahison d'une amitié, c'est la haine, la vengeance. Ça peut être n'importe quoi. Ça t'amène à crier pour ta vie. Ils se sont retrouvés au milieu du feu, d'une fournaise ardente. Mais le vieux roi n'était pas tranquille. Il ne faisait que tourner en rond. Il n'arrêtait pas de penser à Shadrach, Meshach et Abednego. Et peu de temps après, il est venu et a dit « Ouvrez la porte et laissez-moi regarder ce qu'ils ont fait. » Et quand il a regardé, il a presque eu le souffle coupé. Il appela ses conseillers et ses hommes de loi. Et il dit « Messieurs, n'avons-nous pas jeté 3 hommes niais au milieu du feu ?» Ils dirent « C'est vrai, ils étaient 3 au roi. » Il dit « J'en vois 4. » Ils sont déliés et ils se déplacent. Ils n'ont aucun mal ni blessure. Et l'apparence du 4e est comme le Fils de Dieu. Le 4e homme a répondu à l'urgence de leurs besoins, maîtrisant les flammes crépitantes, s'emparant de ce feu violent et libérant ses enfants. Qui est ce 4e homme? Je vais vous dire qui il est. Dans la Genèse, il est la semence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, un grand prêtre. Dans Nombre, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Ruth, il est le rédempteur. 1 et 2 Samuel, il est un prophète de confiance. Dans Roi et Chronique, notre roi qui règne. Dans Esdras, le scribe fidèle. Dans Néhémie, le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, il est l'aurore du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Psaume, l'Éternel, notre berger. Dans Proverbes et Ecclésiastes, notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le germe juste. Dans Lamentation, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme de la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, le porteur de fardeau. Dans Abdias, puissant sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, le messager au beau pied. Dans Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habacuc, l'évangéliste de Dieu criant « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Dans Sophonie, le sauveur. Dans Agée, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sur ses ailes. Qui est ce 4e homme? Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Luc, le fils de l'homme. Jean, le fils de Dieu. Actes, le Saint-Esprit. Dans Romains, notre justicier. Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Tite, notre fidèle pasteur. Philémon, notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, le sang de l'Alliance éternelle. Dans Jacques, le grand médecin. 1 et 2 Pierre, le grand berger. 1, 2 et 3 Jean, il est amour. Dans Jude, le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est ce 4e homme? Je vais vous dire qui il est. C'est le sacrifice d'Abel. L'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le sceptre de Judas, la verge de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, la figue hâtive d'Ésaïe, le cadran solaire d'Ézéchias, les mouchoirs et le linge de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est un mari pour les veuves, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit. Il est l'étoile brillante du matin, pour ceux qui marchent dans une vallée solitaire. Il est le lys des champs, la rose des sables, le sarment de vie et le miel du rocher. Qui est-il? Qui est le 4e homme? Il est Jésus! Il est Jésus, le Fils de Dieu! Le 4e homme,
Le quatrième homme savait que les trois jeunes Hébreux étaient jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant une idole. Et il est venu pour les délivrer. Le roi s'écria à Shadrach, Meshach et Abednego, « Avancez, venez ici !» Quand ils sont sortis, il sentit leurs vêtements. Il examina leur corps et déclara, « L'odeur de brûlé n'est pas passée sur leurs vêtements, ni les marques de feu sur leurs cheveux. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut délivrer de cette façon. Messieurs, mesdames, écoutez-moi ce soir, écoutez-moi. Il y a tellement de choses que le diable peut faire. Son pouvoir s'arrête à la porte de la fournaise. Et c'est là où le pouvoir du quatrième homme commence. Leur foi a suspendu la loi naturelle. Ils ont été délivrés de ce feu. Et la seule chose que ce feu pouvait brûler, c'était les liens sur leur corps. Il y avait quelque chose que ce feu ne pouvait brûler, et c'était eux. La seule chose indestructible dans ce monde est un chrétien qui sert Dieu. Un homme ou une femme dont la foi est dans le Seigneur, Dieu des cieux et de la terre. Si vous le croyez, dites Amen. Qui est avec vous, comme le frère Roberts le dit, le quatrième homme, Jésus-Christ. Il est là, soyez-en convaincus, soyez-en certains, au milieu des épreuves, le quatrième homme intervient toujours à temps. Je suis tellement béni de l'avoir dans ma vie et je crois que c'est pareil pour chacun de vous. Si vous avez connu la grâce de Jésus, si vous l'avez accepté dans votre vie, vous avez connu sa bonté, vous avez connu sa grâce, sa miséricorde, toutes les choses qu'il veut faire dans votre vie, soyez-en certains qu'il l'accomplira. Et là, le frère Robert a dit quelque chose de tellement puissant. Il a dit, on ne va pas se rendre au ciel sur un lit de fleurs où ce qu'il n'y aura rien qui va arriver, mais non, tôt ou tard, ta foi sera éprouvée. Ta foi en Dieu va être éprouvée. Le diable va se déchaîner et les circonstances vont se lever contre nous, mais comme il l'a tellement bien démontré, je me répète, le quatrième homme sera là à nos côtés. On peut voir, on voit Jésus au travers de toute la Bible et maintenant, ce même Jésus est là dans votre vie, il habite en vous. Je veux vous encourager, frères et sœurs, peu importe la situation, soyez-en certains, Jésus est là. Et en fait, l'apôtre Jacques a dit dans Jacques chapitre 4 et le verset 7, il a dit « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous ». Et l'apôtre Pierre avait dit que le diable, il est comme un lion rugissant. Et en fait, le diable, tout ce qu'il veut faire, c'est ça, il veut faire beaucoup de bruit. Il veut intimider, il veut impressionner. Mais nous, on a celui qui est le plus impressionnant de notre côté. Et ça, c'est tellement merveilleux. Je suis tellement béni par cela. Souvenez-vous, frères et sœurs, de Gédéon. Dieu l'avait appelé un vaillant héros lorsque, pour lui, à ses yeux, il se voyait comme un zéro. Il lui a dit, tu vas aller vaincre Madian. Et il a parti d'une armée de 22 000. Il est descendu avec une armée de 300 hommes. En réalité, Gédéon et 300 hommes sont allés et ils ont vaincu. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre dans la prison, ça nous dit que l'Église priait instamment, ils priaient de tout leur cœur. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Tôt ou tard, un ange est intervenu, il a rompu les liens qui retenaient l'apôtre Pierre et c'est ce qui va se produire dans vos vies. Tôt ou tard, les liens vont être rompus, ils vont être brisés parce que Dieu interviendra. Si c'est aujourd'hui, si c'est demain, gardez votre foi en lui. L'apôtre Paul était sur ce navire et il y a eu un songe pendant la nuit et un ange lui a dit « Ne crains pas parce qu'il va y avoir un naufrage, mais toi et tous les hommes sur le bateau, aucun de vous ne périra. » Et Dieu était avec lui. Sachez que Dieu est avec vous. Vous savez, je crois qu'il y a une clé qui est tellement importante de comprendre et de connaître, c'est la nature de Dieu. Quand on comprend qui est Dieu, qu'il ne veut que du bien, il est le meilleur papa sur la surface de la terre. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui se compare à lui. Il est tellement bon. Et lorsqu'on comprend sa bonté, on peut s'accrocher de tout notre cœur, de toutes nos forces à lui au milieu de l'épreuve. Accrochez-vous à lui. Et il y a une parole tellement forte que Jésus a dit à ses disciples. Dans Jean 14, le verset 1, il a dit « Que votre cœur ne se trouble point ». C'est un commandement, que votre cœur ne se trouble point. Et je vous le dis, vous pouvez être dans une telle paix que les gens autour de vous, ça va les énerver.
Vous allez être dans une telle paix dans les circonstances, dans les situations, dans le milieu du feu. Vous allez être dans une telle paix parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence interviendra. Elle va vous couvrir. Vous allez être dans l'assurance que Dieu, tôt ou tard, comme il le fait avec Meshach, Shadrach et Abednego, tôt ou tard, il interviendra. Frères et sœurs, je vous encourage, ayez foi en Dieu. Jésus avait dit, ayez foi en Dieu, croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous croyez en Dieu, ayez foi en lui aujourd'hui. Sachez qu'il est celui qui va vous protéger. Et j'aimerais maintenant prier pour vous. J'aimerais prier pour ceux qui ont besoin de guérison aujourd'hui. Si vous êtes dans un état physique qui est critique, si possiblement vos enfants sont malades, je vous encourage à aller les chercher maintenant. Parce que Dieu va intervenir. Il est tellement bon. On reçoit tellement de témoignages ici en 5 mois de des gens qui ont été guéris du cancer, des gens qui ont été guéris de toutes sortes de maux, des gens qui ont été délivrés. Et j'ai l'assurance qu'il va le faire au travers de cette émission aujourd'hui. Allez chercher vos enfants, si c'est eux, si c'est vous, mettez-vous dans la foi maintenant. Je vais prier une simple prière au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, je ne peux pas guérir qui que ce soit. C'est Jésus qui le fait au travers de moi. Je vais prier en son nom maintenant. Ayez foi en Dieu maintenant. Père, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Et je veux déclarer maintenant au nom de Jésus que toute infirmité, toute maladie, je la maudis, je la chasse des corps maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu fais une œuvre puissante en eux. Je commande à tous les esprits d'infirmité de lâcher les corps maintenant même au son de ma voix. Maintenant. Et vous, petits enfants, si vous êtes malades, au nom de Jésus, je déclare la paix de Dieu sur vous. Je déclare la santé dans tout votre être. Et je commande à ce que toute maladie quitte vos corps maintenant même. Au nom de Jésus. Père, on te remercie pour ta grâce et ta bonté. J'aimerais vous encourager à nous envoyer vos témoignages à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Sachez que Dieu est intervenu aujourd'hui dans votre situation. Si la présence de Dieu est sur vous maintenant, restez dans la présence de Dieu, restez dans la paix. Sachez que Dieu est après faire un miracle dans votre vie. Et n'oubliez surtout pas que d'ici à la prochaine fois, Dieu veut faire de vous un héros de la foi. To save his soul, he dressed like this.